Et salut tout le monde les amis, c'est SpriteCar et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de l'incroyable aventure de Sprite. Donc la dernière fois on s'était laissé là sur le coucher de soleil, donc là c'est l'aurore matinale. Le soleil vient de sortir, c'est un nouveau jour qui commence. Alors vous pouvez voir quelques petits changements depuis la dernière fois, y compris le changement du pack de texture, hein. J'ai pris... je crois que c'est Modern Craft ou un truc comme ça. Et quelques changements au niveau de l'entrée et tout ça. Donc je suis, depuis la consécutivité la dernière fois, j'ai juste été chercher un peu de bois et j'ai miné un peu de cobble. C'est tout. J'ai rien fait d'autre. Mis à part le fait d'avoir creusé un petit peu plus pour aménager pour que ça fasse un peu plus joli. Donc c'est pas encore assez joli pour moi, donc on va pas passer l'épisode à faire du design, hein, mais bien sûr on va aller chercher un peu de bois encore une fois, et pour avoir un peu plus de ressources encore une fois, puisque le bois est la base de tout. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va, en tout cas ça va super bien, puisqu'on est mardi, normalement je devrais aller en cours, mais il y a la neige, donc du coup bah je vais pas en cours, mon bus est pas passé. Et oui, ce matin j'ai attendu comme un couillon à l'arrêt de bus en train de me jeter les couilles. Bref, c'est pas grave. N'en parlons plus. Donc le principal c'est de ne pas avoir cours. Moi j'aime bien en tout cas. Comme dirait Mysterio, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Alors. Hop. Quand on va avoir le bois, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Quelques outils afin surtout des pioches afin de pouvoir aménager ma grotte pour en faire une maison et donc après ça va être un vrai joli petit palais. Excusez-moi, je cache ça me stresse, pardon, j'ai bugué, je casse ça, j'ai dit cache ça, voilà. Alors, un autre petit arbre, et je pense qu'on va partir là, puisque là, ça sert plus à grand chose. On a assez de bois, je pense. Je pense que ça suffira après cet arbre-là. Ouais, encore un arbre après, et là, ça suffira. Donc voilà, moi je suis PNR chez moi, il est 10h04, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Je suis PPR chez moi. Je me suis dit, tiens, je fais ma petite vidéo à mes chers petits abonnés. Ça leur fera plaisir. Hein. Et puis c'est vrai que là, ça va faire 4 jours environ. Je crois que je n'ai pas mis 2 vidéos. Et c'est vrai que tourner, ça me manque. Puisque vous savez que être un youtubeur, pour moi, c'est plus qu'une passion. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, ça l'est. Pour moi, c'est un travail que je considère même pas comme un travail, puisque c'est un loisir pour moi. Pour certaines personnes, faire des vidéos c'est plus une corvée, mais bon, on ne s'engage pas à faire un compte YouTube et à faire des vidéos, c'est sûr qu'on va pas les suivre. Donc voilà, je vous ai promis comme nouvelle résolution que j'allais vous faire plus de vidéos, et je tiens bien à tenir cette promesse. Voilà. Donc voilà, là je disais qu'il allait rester plus qu'un arbre, mais bon, je suis encore en train d'en faire un. Donc après, celui-là, ça ira, ça passe. Je vais juste le finir, juste le haut, hop. Hop, et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, hein, parce que, je sais pas, c'est la nouvelle année, c'est le nouveau départ, hein, j'ai envie de dire. Les années suivantes, c'est comme une nouvelle chance en fait. C'est comme une nouvelle chance puisque c'est vrai que tout repart à zéro, j'ai envie de dire. Même si c'est pas vraiment ça, mais ça repart un peu à zéro. Alors ça c'est bon. Hop. Et hop. Voilà. Pardon, excusez-moi, je suis sauvé de luminosité. Parce que moi, Escape, c'est juste à côté de la luminosité sur le Mac, donc je me trompe souvent de touche. Pierre. D'accord. Donc il faut que, si je comprends bien, déjà je vais reprendre ça. Donc ça c'est bon. Et ça, je vais mettre ça là. Hop. Je vais mettre une bonne petite dizaine. Et on met la pierre. Et hop, et voilà.
Et voilà, donc je trouve que ce pack de textures est assez bien, j'aime bien. C'est moderne, et puis la pierre, dites-vous que ça c'est de la cobblestone, et franchement, honnêtement, moi je trouve ça très joli. Très 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 joli. Tout ça c'est bien joli. Alors, je vais me faire une pioche afin de pouvoir creuser pour mettre du bois en dessous. Non, parce que c'est vrai que ça fait pas très très joli si on laisse comme ça. Donc voilà. Alors creusons l'extrémité du sol. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, une extrémité, mais bon. Moi, je voudrais faire en fait quelque chose de simple, mais tout en restant dans le style, quoi. Un truc mignon, un truc chaleureux, mais quelque chose de chaleureux, pardon. Merde, je vais pas y arriver. Mais qui reste simple. Je vais vraiment pas chercher. Je vais pas chercher les complications. Merde, je vais pas y arriver aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai à bégayer. Si ça reste simple, si ça reste stylé, c'est bon. Tout passe pour moi. Donc je pense qu'on va aller dans une petite grotte un petit peu là juste après. Ou peut-être pas dans cet épisode, mais dans le 3 ou 4, je pense, parce que là c'est vrai que là on n'a pas beaucoup de raison, on n'a pas beaucoup d'épées, on n'a pas grand-chose là. Alors du coup, je pense que c'est préférable d'y aller plus tard, puisque là on n'est pas encore totalement prêt à y aller. Allez, casse-toi, merci. Merci, je vais. Mais avant. Oui. Hop, hop, et hop, et hop. Et voilà notre sol qui est fini. Bon, alors avec ce pack de textures, le bois paraît plus foncé et c'est vrai qu'il n'est pas très 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 joli. C'est pas très joli seulement, voilà. C'est du bois, quoi. Voilà. Alors, on va finir ça. Hop. Ça finit, voilà. Joli, joli. Hop. Voilà. En fait, moi je suis quelqu'un vraiment. J'aime peaufiner ce que je fais. C'est pour ça que, je vais pas aimer que tout ne soit pas bien comme je veux. Je vais plutôt voir que tout soit parallèle, que ça soit symétrique, que c'est. Enfin, je cherche les complications, mais juste pour peaufiner en fait. En fait, à part ça, sinon je suis pas chaud. C'est pour ça que quand je fais un travail, j'aime que le travail soit bien fait. Et oui, c'est ça d'être perfectionniste. Alors, je pense que là, ça va être notre petite planque à coffre. Je pense que ça serait l'endroit parfait pour justement planquer toutes mes réserves. Enfin, planquer, je dis planquer, mais bon, j'ai pas vraiment besoin de les planquer puisque je suis pas sur un serveur, je joue pas en multijoueur. Je joue tout seul, mais bon, voilà quoi. Joli, joli. Alors, je vais encore creuser un petit peu. Ouais. Et je vais peut-être faire une sortie par là qui va aller vers le fond de la grotte. Ouais, pour que ça soit assez joli. Ça pourrait être pas mal. Et je vous jure, on se croirait dans déco Minecraftienne. En fait, pour le moment, on fait que du design. Par la suite, vous verrez, il y aura de l'action, il y aura tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà. Voilà. Donc, encore une fois, donc je devrais me refaire une pioche. Ça fait chier. Faudrait que je m'en fasse une en métal. En fer, pardon. Pardon, mais pour le moment, pour l'instant, on n'a pas de charbon, donc ça va être un peu chaud. Merde, j'ai pas de. Je trouvais plus ce que je voulais faire. Donc voilà, oui, sans charbon, on va pas arriver à grand chose, je pense. Donc je vais regarder donc dans mon coffre, voir si j'ai. Ah oui, j'en ai du charbon, mais quel con. Je mets du bois, mais j'ai du charbon. Et voilà. Pourquoi chercher les complications quand nous pouvons rester simples? Et hop, et hop. Et voilà.
Je suis pas trop fan de ça. Donc je vais reboucher. Là, hop, hop, là, là et là. Et voilà. Voilà. Donc c'est déjà plus joli. Déjà, oui. Ah merde, elle était même pas finie en fait ma pioche. Ouais, je vous jure, j'ai un peu la tête. Je ne sais où, mais. J'ai pas mes idées en place là, je sais pas pourquoi, mais je fais un peu n'importe quoi. Et je m'en excuse d'ailleurs, puisque c'est vrai que vous êtes quand même là pour voir ce que vous aimez, à savoir de l'action. Et pour l'instant, c'est vrai que je fais que du design, mais je pense pas que c'est ce qui vous intéresse vraiment. Mais vraiment, pour le moment, vraiment, je fais vraiment juste les bases de ma maison, histoire d'avoir un bon petit nid douillet en attendant de perfectionner tout ça vraiment. Vraiment, vraiment, quoi. Ouais. Yep. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va faire des petits escaliers ici. Mais ce que je voudrais, moi, je voudrais bien, c'est refermer tout ça. Genre de l'avant, faire une pièce fermée avec une porte, etc. etc. Et oui. Mais bon. Pour le moment, le design, et bien encore le design. Design, pardon. J'ai encore bugué une fois, ça m'énerve. J'aime vraiment beaucoup la pierre, enfin la cobblestone, comment elle est représentée avec ses quatre petits carrés, on dirait des pierres taillées, je trouve. Je trouve que ça ressemble vraiment pas à la cobble, pardon, en plus j'ai encore bugué, à la cobble du jeu, vraiment. La coque du jeu elle est vraiment très 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 moche, mais là franchement elle est belle. Franchement là j'aime bien. J'aime bien, c'est plutôt joli. On va attendre que celui-là finisse. Allez, dépêche-toi. Allez! Oh là là! Bon. On va péter ça en attendant. Pour le déplacer derrière. Derrière, il me semble que c'est le meilleur endroit pour pouvoir faire tout ça. Alors, hop, et hop. Et hop, et ma torche, et voilà. Voilà. Hop, hop, et hop. Et voilà. Alors, je vais placer mon four là. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est de mettre du minerai de fer à chauffer pour avoir des lingots de fer pour pouvoir me faire de l'attirail. Et hop, et voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quand même un peu de charbon, histoire de me faire des torches. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, c'est un peu la galère. J'ai plus de torches, je ne peux plus éclairer ma maison, ça pose problème. What the fuck? Et hop, et hop. Et voilà. Alors, voilà. Alors, que je ne me fasse pas sauter à la gueule par un creeper, ça m'emmerderait. Doudou. Alors, je vais tout de suite poser de la lumière dans cette grotte pour l'aménager par la suite, pardon. Puisque sinon des monstres peuvent sûrement spawn. Ce qui m'étonne d'ailleurs qu'il ne l'ait pas encore fait. Ouais. Voilà. Voilà, donc ma grotte est illuminée. Il n'y a pas de problème. Normalement, il n'y a pas de problème. Ça devrait pas spawn. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça me stresse. Et voilà. Alors, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Je viens d'avoir une bonne idée. Je viens de voir la forme de ça et je me suis dit, je vais peut-être faire une véranda. Une véranda avec les fenêtres comme ça, qui montent en l'air. Qui montent tout simplement. Et en gros, ça fera comme un toit et là, ça sera droit. Et donc le reste de ma maison sera là-bas. Ouais, je pense que je vais faire ça.
Je trouve ça plutôt pas mal. Alors attendez, excusez-moi. Hop, ça me stresse. Mon fer, j'en suis à 11. Oui, alors oui, le fer, par contre, et l'or ne sont pas bien représentés du tout. Ils sont pas fichés, ils ont mis un carré, et puis ils ont mis FE pour fer, et puis OR pour or. Ils se sont vraiment pas fouillés. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits escaliers. Non, c'est vrai, on peut pas le faire avec la roche. Je vais les faire en cobble, ça ira plus vite. Et hop, et voilà. Et voilà. Alors ça c'est bon, je vais remplacer les escaliers, enfin la blouse par les escaliers, bien sûr, parce que, excusez-moi. Allez. Hop, voilà. Donc nous avons nos escaliers qui sont d'ailleurs très bien placés, je trouve. Ça fait joli. Ça fait joli, esthétique, simple. J'aime bien. Oui. Là, je dirais bien que ce serait le coin cuisine. Non. On va délimiter, hop, par ça, avec de la blouse. La blouse délimitera l'entrée de la cuisine. Par là, ce sera la cuisine. Et ici, là où je suis actuellement, ce sera la véranda. La véranda qui d'ailleurs sera sûrement plus grande que la cuisine, ou peut-être pas, hein, qui sait, je n'en sais rien. Je n'y sais plus. Alors, ce qu'on devrait faire, ce qui serait bien, c'est d'avoir de la laine noire et de la laine blanche, afin de faire un petit sol en carrelage tout sympathique pour ma maison. C'est bon. Mon fer est OK. Et à toi. Voilà. Donc mon fer, je vais tout de suite le poser. Enfin, mais attendez, il est où mon fer? Ouais. Alors je vais poser mon fer. Merde, c'est pas ici. Je me trompe tout le temps. J'ai pas l'habitude de ce pack de textures. Alors, ouais, fer, la bouffe. Les graines, le canne à sucre, la roche, la planche de pain, pardon, la bouse, hop, je vais tout poser, après je vais tout prendre, mais tout ce qu'il me faut, tout ce qu'il me faut, mais pour le moment je dois voir à peu près ce qu'il faut que je fasse. Alors dès qu'il va faire jour, je pense qu'on va se quitter. Puisque ça va faire sûrement une bonne vingtaine de minutes que je tourne. Je tourne depuis peut-être 20 minutes et c'est vrai que en début d'épisode je vous avais promis de l'action, mais là franchement je suis vraiment désolé. Mais vraiment et sincèrement. Puisque moi, une fois que je m'embarque dans mon design, j'arrive plus à m'arrêter. Et c'est ça mon problème. Avoir l'esprit créatif, pardon, c'est pas toujours bien. Ma véranda, je vais la faire en planche de pain. Ah oui, mais le sol, ça va pas le faire si c'est le même. Oui, je vais prendre de la cobble. Hop, ça suffira. Ah bah, je vais encore en mettre un. Ouais. C'est vite, je mets ça. Ça fait rien. Ouais, bon, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Bon, bah ouais, je vais laisser ça en attendant. Ça, c'est bon. Je vais prendre quelque chose que je n'ai pas, bien sûr, bien évidemment. Il fallait que ça me tombe dessus maintenant. Genre, ouais, c'est vraiment chiant. Hop. Hop, hop, et hop. Et voilà notre petite hache. Alors, on va déblayer le sol un peu, là. Enlever tout le bois. Je m'excuse d'abord, puisque j'ai mis du bois, mais ça sert strictement à rien. Donc je m'excuse. Et donc, on va remplacer donc le sol par de la cobble. Pardon, cobble.
Bah, j'ai rien d'autre à dire, hein. Excusez-moi de mon manque de parole. Même si je parle, je blablate, je blablate, je blablate depuis le début de l'épisode. J'aime beaucoup cette série, d'ailleurs, je m'y tiens vraiment à cœur, puisque c'est une série vraiment basée sur vraiment de la survie, et comme je vous l'ai dit lors du premier épisode. La survie, c'est vraiment ce que je préfère dans Minecraft, bien évidemment avec la construction, hein, bah ouais, puisque bah c'est ça, Minecraft, hein, c'est de la construction, du craft, de l'imagination, bien sûr. Si on n'a pas d'imagination, Minecraft c'est foutu d'avance, hein, donc voilà. Donc dans l'entrebâillement de la porte, je ne sais pas si je vais laisser du bois ou pas. Pas pour l'instant, je vais en laisser. Mais pour l'instant. Hein. Ouais, alors je vais poser ça. Hop. Je pense faire une petite serre dans une petite serre vite fait dans ma véranda, ce qui pourrait rendre relativement joli puisque ça va faire une plantation intérieure en fait. Et j'aime bien, c'est vrai, les plantations intérieures, je trouve ça joli si c'est bien présenté. Et genre ça va faire vachement botanique. Bon, je suis pas trop dans cet esprit-là, pardon. Mais voilà quoi. Enfin, mais enfin j'aime bien mon perso, voilà. Je pense que ça me saoule déjà. Déjà, voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, je vais bouffer une hache pour rien pour derrière, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du bois sur le mur pour faire à la place de la cobble pour délimiter la zone donc de ma cuisine à ma véranda. Donc par la suite, donc faudra que j'enlève bouillie de la véranda parce que normalement dans la logique des choses, on ne dort pas dans une véranda. Enfin, bon, je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi perso, je ne pense pas que on doit dormir dans une véranda. Alors, hop, hop. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je merde. Merde, merde, merde. J'aurais pas dû faire ça. Je vais prendre de la boost puisque c'est rapide à péter. Péter de la boost, c'est tranquille. Bébé, hop. Et hop. Voilà. Voilà. Alors là, maintenant, ça devrait passer crème. Alors, est-ce que je mets le verre au-dessus ou en dessous? C'est ça, c'est pour délimiter normalement l'emplacement du verre. Mais vu que j'en ai pas beaucoup pour le moment, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais si je passe là. Oh, ouais, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Je pense que je vais le faire un peu plus haut quand même. Hop. Et voilà. Là, ça devrait être bon. Bah, oui, c'est bon. Là, c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, continuons notre mur. Notre petit mur stylé, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que ça donne de l'intérieur? Qu'est-ce que ça donne? J'en ai mis trop. Donc, écoutez, on va casser ça. Donc, voilà. Donc, celui-ci. Et donc, normalement, donc là, c'est bon. Donc, je vais prendre mon verre. Non, il est pas là. Et je vais poser à l'emplacement de mes cubes de 12. Ça va être bon. Hop. C'est bon, oui. Alors. Hop. Hop. Pour le moment, je n'en ai pas beaucoup, donc ça passera pas. Je vais mettre du bois sur cette longueur, mais genre après on va se quitter là, puisque ça va faire sûrement bien plus que le temps. Vous voulez à peu près 20 minutes de tournage.
Mais on les a dépassés, j'imagine bien. Et donc voilà. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode sympathique. Moi j'ai bien aimé. Donc je vous dis à la prochaine. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vert. Ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez aimé, vous pouvez également partager ma vidéo ou la mettre dans vos favoris. Et si vous voulez ne rien manquer de mes actualités, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, salut!